Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Willy Weaving, The Overworld, The Revelworld. Enfin bref. Bon, on était revenu ici, alors je crois que je dois regarder les photos comme la dernière fois. Non, je peux sortir. Ah mince alors. On m'avait dit que je devais regarder les photos, monsieur. Il n'y a rien à regarder, c'est que du balivernage, voilà. On était avec Joseph et on avait trouvé un passage secret avec une patte de cheval à pivoter. Ça avait ouvert un passage et on était là, voilà. Bah Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé dans le trou? T'en fais pas pour moi, va. Oh mon dieu, la chute! Voilà, merci. Alors, petit point munitions, j'aime pas cet endroit. Je le dis net, je l'aime pas. Oh mon dieu, il y a des gens vivants. On peut peut-être le libérer, non? Je crois que je viens de le tuer, il y a une petite barre de sang qui est sortie et tout. J'aime pas, on croyait des catacombes. Il y a comme des machines qui fonctionnent, je sais pas où. Joseph, bon, ça va, vous êtes bien derrière moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça sent l'énigme. Il y a des piliers. Voilà. 7. Ouais, que penses-tu de cette inscription? Ouais, à mon avis... Je ne comprends strictement rien. Je devrais... Attends 2 secondes. J'ai noté quelque chose tout à l'heure. À mon avis, quand ils sont barrés, on doit les baisser. Ça semble complètement logique. À mon avis, si je vais dans le couloir, je vais mourir d'atroces souffrances. Apparemment, les sacrifices doivent être abaissés sur les autels appropriés pour ouvrir la voie menant à lui. Bah mince, du coup, est-ce qu'un truc barré, il faut que ce soit dessus ou est-ce que c'est l'inverse? Il a dit quoi, Joseph? Joseph, voyez-vous? Ah bah non, mais attendez, celui-là, je peux pas le changer, donc oui, donc c'est bon. Donc je fais tout bien correctement. Barré, ça veut dire dessus. Et voilà. Quelle énigme compliquée. En plus, le mec est passé à moitié dans le rocher ce soir. Vous dire rien. Petit bruit de succès. J'ai entendu quelque chose. Moi aussi, j'ai entendu quelque chose, Joseph. C'est la voix de la liberté. Voilà. Joseph. On dirait que ça a marché. Mais oui, que ça a marché. Je suis très intelligent, tu sais. Je suis pas un gros débile non plus, hein. Mec qui me sous-estime et tout, j'en ai assez. Hein. Ah, c'est un ascenseur, d'accord. J'imagine bien un petit enflammé, mais c'est pas grave. L'ascenseur qui détecte automatiquement que des personnes rentrent dedans, c'est magnifique. C'est ascenseur 2.0, voilà. Les ascenseurs connectés. Une caméra qui voit qu'on est deux et voilà. Enfin bref. Bon. C'est quoi déjà l'objectif? Pourquoi on fait tout ça déjà? Est-ce qu'on peut me le rappeler? Ah tiens, on est revenu dans un espèce de bâtiment. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je veux pas savoir. Ah mon dieu, on me redonne des balles de fusil à pompe. Oh mon dieu, il y a des cerveaux, une colonne vertébrale. En fait, il reconstitue un monsieur. C'est une reconstitution. Voilà. On redonne de la vie, on redonne plein de trucs. Bonjour, note du labo du cimetière. Tes deux orphelins ont forcément survécu par la volonté de Dieu. Ils ont été baptisés et soignés. Donnez son frère Zet. Zen. J'ai pas eu le temps de lire la suite. C'est pas grave. Ah, parce qu'en fait, j'essaie de cliquer pour... Oui, il y a 2 jumeaux. Enfin, je sais pas s'ils sont jumeaux ou pas. Ah, c'est eux plus grands, c'est ça?
C'est moi où il est sorti un petit nuage de fumée de... De la cigarette. Ce qui signifierait que... Il y a comme une odeur. Ces choses sont proches. Mais les gars, j'en ai marre de me taper des boss épisode sur épisode, là. J'ai un peu envie d'une pause. Tiens, c'est marrant. Moi, je vois beaucoup plus loin, dis donc, accroupi. Je pense que ceci est un bug. Si regardez, sans la lumière, on voit que dalle. C'est un bug, je pense. On est tout prêt. Ah, est-ce que ça, c'est pas le truc qui va dehors? Quand elle me mure. Oh mon dieu, mais c'est un énorme sanglier. Je suis pas sûr, en fait. Oh, c'est une bête. Elle n'a que 4 pattes. J'ai pas de chance. Ramasser. Je sens pas. Sortons le fusil à pompe. Ouais, puis ça... Attendez. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ouais, du coup, j'aime bien parce que je vois plus loin avec ça. Regardez comment mon écran est sale, quoi. Mais qui a posé ces traces de doigts dans le logiciel? C'est pas possible. On voit rien du tout. Tellement d'effets. Ah, mais y a rien du tout. Y a de la lumière. Y a presque trop de lumière, cette fois. Dieu, c'est bizarrement graphique là, dis donc. On est dehors! Tu peux l'ouvrir? Enfin, est-ce que tu peux l'ouvrir mais en la fermant, s'il te plaît? Tu peux me dire non? J'en étais sûr! Mais c'est pas croyable! Est-ce qu'une personne normale peut survivre à un truc pareil? Mais elle est où sa bouche? Mais genre quoi, on a encore un boss? Mais c'est juste pas possible! Mais elle est où la bête? La bête! On esquive! Wow, comment elle se déplace et tout! Oh la vache, le saut! Mais en fait, elle se cache! Tiens, mange ça, Toto! Vite! Ramasse ça! Je l'ai complètement raté, quoi! Mais c'est tellement improbable de rater un truc pareil. Et je suis mort. Oh punaise. Oh punaise. Ok, ça a même pas explosé. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on prendrait le... Je peux rien fabriquer. C'est pas grave! Il est où le truc? Je l'ai eu là, carrément quoi! Je peux pas le... Un mini problème quand même de munitions, comme qui dirait. On va essayer de faire ça. Oh punaise, oh punaise, oh punaise, oh punaise, oh punaise, oh punaise. Punaise, et puis je comprends pas pourquoi. Tiens, bouffe ça. Bouffe ça. Oh, il a pas aimé le toutou, hein. Eh, je suis coincé! Mais c'est trop nul, la caméra elle passe derrière les buissons quoi! Oh!
Je l'ai eu. Genre, il y a ma grenade qui est là. Ouais. Genre, mon carreau explosif, il est resté coincé dans les arbres, quoi. C'est incroyable. Joseph, tu t'es reçu environ 14 G dans la gueule. Et tu n'as rien. Pas une égratignure, tu es magnifique. Il tient encore debout. C'était pas des G, c'était des joules, là. Je pense qu'il s'est pris je sais pas combien. Qu'est-ce qu'il y a ? Improbable de survivre. J'ai perdu mes lunettes là-bas. Flûte. Merde. C'est sûr que s'il est aussi myope que moi, c'est mal barré. Je dois y retourner, c'est ça là. C'est sûr, je peux pas regarder. Ah, mais on est du côté de l'église avec Kidman. Genre, et pourquoi c'est moi qui risque ma peau pour Monsieur Joseph? Je sais pas que j'ai pas trop de balles. Si ça se trouve, je peux peut-être juste courir pour ma vie. Je vais mettre ça. En fait, je vais tenter le courir. Sont où tes lunettes? Ok, on les voit. Sébastien, je vais l'éloigner pendant que tu cherches. Waouh, tu lui lances un rocher, quoi. Lunettes de Joseph, merci beaucoup, c'est. Je croyais que tu devais l'éloigner. Par ici. Attendez, je récupère. Genre, ça a l'air de vachement servir. La bête. Mais pourquoi elle reste là? Mais t'es censé l'éloigner de la porte. Tout doucement. Et ben voilà. Je suis désolé. C'est pas seulement pour mes problèmes de vue. Ça m'aide à me sentir normal. T'en fais pas. Pour l'instant, faut qu'on trouve Kidman. J'ai presque cru qu'il allait dire, écoute, ces lunettes sont passées de génération en génération. De papa à fils. Si j'ai une valeur très sentimentale pour elle. Non, je crois pas. Bon, bah voilà. Mission réussie. Peut-être qu'on aurait pu la tuer, avoir plein de points de cerveau, mais c'est pas le cas. Tout ça. J'ai pas envie d'essayer. Franchement. Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit, quoi. T'es où? En plus, il me suit pas, quoi. Bon, y a pas des munitions planquées par là. Bon, y a rien d'autre. J'ai juste trouvé un petit bout de cerveau qui serait dans un coin. Mais c'est tout. Je sais pas où est Joseph, je m'en fous. Il peut mourir. Le mec passe à pas. Ah, on a carrément fini un chapitre! Le chapitre 6! C'est magnifique! Bon, bah vous savez quoi? On va arrêter du coup cet épisode-là. Oui, je sais, c'est un petit peu plus court que d'habitude. Mais bon, c'est comme ça. Je suis pas sympa, c'est tout. C'est vrai que je suis quand même en difficulté 2 sur 3, c'est plus de la moitié. Vous voyez, c'est pas comme s'ils avaient mis 4 trucs et que j'étais à 2 sur 4. Ça aurait fait 50%. Là, c'est 2 sur 3, ça fait 66%. C'est beaucoup quand même. Je suis à 66% de difficulté. Du maximum. Bon, voilà. Donc, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et ben, à plus!